Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo vlog. Aujourd'hui on est dimanche, je suis chez ma sœur parce que hier soir, donc samedi soir, on a fait une grande raclette chez elle avec plein d'amis et j'étais avec Victoria et on a dormi sur place, hein, c'était plus simple. Et laissé une nuit tranquille à Alex où il a pu faire une vraie nuit complète sans Victoria qui l'a réveillé deux ou trois fois dans la nuit. En plus ce matin il est allé sauter parce qu'il est en train de passer son diplôme, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, son diplôme pour pouvoir sauter en parachute tout seul, donc fallait qu'il soit en forme. Donc voilà, ce matin je me suis réveillée chez ma sœur avec ma petite Vicky. C'est pas une journée où on a fait beaucoup de choses de très intéressantes, mais c'était une petite journée en famille très sympa. Et aujourd'hui je vais filmer le vlog avec le nouveau Sony RX100. Il est vraiment bien, tant au niveau de la qualité de l'image que de la qualité du son. Voilà, c'est important pour moi de ne pas avoir à rajouter de micro, etc. C'est vachement moins encombrant. En plus de ça, j'aime beaucoup, il fait un flou, il filme en mode portrait, donc c'est très joli, il a plein de fonctions, etc. Et c'est super pratique avec, j'ai ce grip là, cette petite poignée de prise de vue qui sert autant de trépied que de perche pour me filmer. Donc c'est vraiment vraiment cool. Je l'aime vraiment beaucoup cet appareil. Showing off, don't wanna have to wait tonight, wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight, wait tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this happy after? C'était bien le bain avec Tati? Eh oui? Eh oui? Coucou! Aujourd'hui, je vais habiller Vicky avec ce petit ensemble vert baudé. Je trouve ça trop mignon. Il est personnalisable en plus ici. À tes souhaits! T'as vu, je l'ai coiffée première de la classe. Ouais. T'as fait une jolie coupe, Tati? Eh ben, je suis pas bien coiffée là. On dirait un petit garçon. Et du coup, je vous disais, donc je lui mets ce petit ensemble vert baudé, c'est un kit de naissance, je trouve que c'est trop mignon, donc vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez le petit gilet, le baby gros, hop, le body à manches longues, les petites chaussettes, il y a des petits gants aussi, mais je les ai pas pris, et le petit bonnet. Et il est personnalisable, ici vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et moi j'ai écrit bonne nuit, parce que je voulais pas mettre son prénom, j'ai déjà beaucoup de choses avec son prénom écrit, donc je me disais comme ça je pourrais le réutiliser pour un autre enfant, ou le donner à ma sœur quand elle aura des enfants, etc. Donc voilà, je trouve que c'est trop choupi, je vais vous montrer sur Vicky une fois qu'on l'aura habillée. Ah ma petite dame, ah tu lui as fait la coupe de M. Mais voir, qu'est-ce que t'as fait Tati? Attends, je fais bien la pointe. Oh, c'est pas très joli, hein. Non? Non, c'est pas joli. Non, c'est mieux première de la classe, finalement. Comme ça. Regarde, elle est détente. Et voilà, une petite Vicky toute propre dans son trop mignon ensemble, avec son attache tétine, hop, envoyée par Baby Bio Création. Je vous mets son Insta juste dessous. C'est super joli et super pratique. Et madame est en train de s'endormir, alors qu'il y a une minute, même pas, elle pleurait. Parce qu'elle avait la dalle, donc je suis en train de lui faire chauffer du lait derrière. J'ai dormi chez ma sœur, hier soir on était nombreux et pour la raclette je voulais boire un ou deux verres de vin. Du coup j'avais tiré mon lait et donc c'est super pratique, il était congelé dans mon sac Medela. Donc là je vais le décongeler pour pouvoir le donner à Victoria. Qui est en train de s'endormir complètement. Elle fait une petite grimace en même temps en plus. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, ben voilà, bonne nuit, c'est de circonstance du coup son petit ensemble. Petit repas rapide chez ma sœur, hein. Du coup hier on a fait une raclette, alors il reste de la charcuterie, on a fait des rostis, hein, des galettes de pommes de terre au four, du fromage, voilà, ça ira très bien pour un dimanche. Et juste ici, nous avons Vicky qui fait dodo. Faster.
Voilà, il est 18h30 et je viens d'arriver chez moi, à la maison. Avec ma petite Vicky, si vous la voyez là, dans ses joutons. Et ma Bonnie. Un bobo. Et voilà, je suis rentrée, du coup j'ai retrouvé Daddy. Et Vicky dort, alors je vais en profiter pour aller me faire couler un bon bain chaud. Ça l'a fait sourire. parce qu'elle s'est dit, ah mais moi aussi je veux venir dedans. Elle a fait ce matin le bain. Oh, ah, elle révulse ses yeux là, j'aime pas quand elle fait ça. Voilà. La petite sorcière. Qu'est-ce que tu fais? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils sont froids ces yeux. Ils sont froids tes yeux. Eh oui. Eh oui. Tu veux me raconter, c'est ça? Tu veux me raconter ta soirée, hein? T'étais où, papa? Je sors du bain, Vicky est endormie dans sa poussette, hein, par son petit daddy, qui est en train de nous... Elle m'a fait une crise de nerfs pendant une heure. Alors là, c'est moche, il ne faut pas regarder, c'est chicken, c'est une pizza. On n'a rien pour la faire. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose dans le frigo. Franchement, ça fait de la peine. C'est pas grave, elle sera bonne quand même ta pizza. Tu vas mettre quoi après à part ça? Une pizza, attends, ma pizza, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des poivrons qui viennent de Rome, ma mère les a ramenés. Ouais. Et quand elle sera sortie, on mettra de la mozza fraîche. D'accord. Voilà. Ce sera très bon. Et je vous présente mon beau-papa, Giuseppe, qui est venu nous rendre visite d'Italie pour rencontrer sa petite fille. Et c'est mon père, hein. Il sait parler français, il vous comprend, il sait vous lire aussi vos commentaires, attention. Hein. Et voilà, je viens de tirer mon lait, donc c'est super pratique, c'est pour demain, parce que demain, Victoria est gardée par sa grand-mère, la maman d'Alex, et donc il faut que je l'approvisionne en lait maternel. Comme ça, elle aura du lait maternel pour demain, parce qu'elle ira chez sa mamie. C'est l'heure du repas pour Victoria. Voilà, ne regardez pas par là. Voilà, je censure les vidéos, moi. Et voilà la pizza. Bah, elle est belle, hein, et franchement, elle donne envie, Xo. Oh. Si. Ne me jugez pas sur ma pizza. Si tu n'as pas été à l'autre jour. C'est pas ma habitude de faire pizza comme ça. Et je vais manger aussi des pâtes avec des coquilles Saint-Jacques que le père d'Alex a cuisiné hier. Et Bonnie, elle mange aussi croquettes spéciales pour son intestin fragile. J'essaye d'endormir Victoria. Mais c'est pas gagné. Et voilà, je suis avec ma petite Vicky. Bon, du coup, j'ai toujours pas réussi à l'endormir. Donc, madame, elle est là, elle papote, elle gigote, elle est posée sur mon lit. Hein. Et là, du coup, juste à côté, il y a son lit à elle. Donc, on fait le lit cododo. Hein. C'est un couple d'amis qui nous l'a prêté, Raph et Véro. Et du coup, c'est super pratique. Elle dort là, du coup, juste à côté de moi. Et comme ça, la nuit pour l'allaiter, c'est super pratique. Hein, Vicky? T'es juste à côté de maman. Je voulais vous montrer la veilleuse que j'utilise pour Victoria. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Hein. C'est pas obligatoirement pour les enfants. Donc, pour vous montrer... Ça, c'est avec la lumière blanche et ça avec la lumière jaune. Ça représente l'allure de la pleine lune, en fait, quand elle est complètement illuminée. Elle s'appelle Luna, cette veilleuse, et vous avez 4 tailles différentes. En fait, ça peut vous faire un office de simple déco, d'objet de décoration, ou bien ça peut vous faire vraiment une veilleuse pour un enfant. Moi, je m'en sers comme ça pour Victoria. En fait, c'est bien comme ça la nuit. Dès que je me réveille et que je veux voir ce qu'elle fait, ou voir sa petite bouille, etc., elle est toujours un petit peu éclairée, donc je trouve que c'est cool. Vous la rechargez avec un port USB. Elle a une autonomie de 12 à 20 heures, donc ça c'est vachement bien pour la nuit. Et une variation de couleur, donc vous l'avez soit en lumière blanche, soit en lumière jaune. Et en fait, il y a l'intensité aussi. Là, je reste appuyée longtemps et elle devient de plus en plus lumineuse. Et hop, pareil pour ici, si je reste appuyée longtemps, le jaune devient de plus en plus lumineux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Moi, je m'en sers vraiment bien pour Victoria, c'est vraiment pratique. Et en plus, elle est fabriquée dans un matériel écologique. Voilà, donc elle est vraiment trop cool cette veilleuse. Et avec le code CAPUCINE50, vous avez 50% de réduction et la livraison offerte pour les 100 premières commandes. Ah, tu bailles. T'es fatigué pourtant, mon petit chat. Faut faire dodo maintenant. Bon bah allez, je vous laisse, hein. Je vais mettre une petite berceuse, on va essayer d'endormir Vicky. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, hein. C'était pas super intéressant ce que j'ai fait, mais je me suis dit comme ça vous verrez ma petite vie avec ma petite Victoria. Et si la vidéo vous a plu, hein, comme d'hab, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo sur les bigoudis. Hein Vicky, vous montrer comment on met les bigoudis.
Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.